de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen qui confirme que, présidente, elle nommera Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France, Damien Fleurot. Voilà donc une alliance scellée, une digue véritablement rompue en France. Et on va voir si... Eh bien voilà, on va suivre les questions. Nous allons prendre quelques questions. Alors, ce n'était pas prévu, mais c'est mieux. Vous l'avez dans le document qui vous a été remis. Il va arriver. Pardon ? Oui, les points se concernent dans l'économie. Très bien. Il y a certains points. Nous sommes différents. Nous voulons bâtir une France forte, libre, juste. Certains points économiques, par exemple. Nous avons précisé la pensée sur, par exemple, la taxe sur les importations, que je voulais moins systématique, et nous en avons discuté. Nous l'avons tout à fait pensé qu'elle pouvait être une taxe anti-dumping essentielle pour protéger notre industrie avec souplesse. Je pense aussi au combat que je mène en faveur des personnes en situation de handicap, qui a été un des grands combats de ma campagne présidentielle, qui est une cause que je défends depuis 20 ans. Et j'ai souhaité que cette cause soit renforcée, elle l'était déjà, mais qu'elle soit approfondie encore dans le programme de Marine Le Pen. Et puis, il y a des points qui me tiennent à cœur, comme la reconnaissance du vote blanc. J'ai pensé que c'était très important. Voilà, c'est un ensemble de choses, parce que, encore une fois, moi, je reste moi-même. Je viens tel que je suis, et je viens avec la confiance des électeurs qui ont voulu un projet présidentiel qui était différent de celui de Marine. Mais c'est justement cette différence et cette union de différences qui fait la force de notre alliance et qui est la garantie pour les Français d'un pluralisme, d'une capacité de rassemblement. Donc c'est un texte précis, mais qui n'a pas été difficile à rédiger, parce que chacun a vu qu'il fallait, déblayer le terrain et montrer aux Français, vous savez, qu'on aura très peu de temps pour sauver le pays et qu'il faudra aller à l'essentiel. C'est une sorte de, je ne sais pas si Marine aime le terme, parce que chacun a sa culture, chacun son, mais comité de salut public pour sauver le pays, avec des gens d'horizons différents. Ben voilà, on se retrouve et on va sauver notre pays. Mais c'est extraordinaire ce que nous vivons ce matin. C'est vrai.